À la fin du premier match, on n'était pas sûr de passer en cup. Et pour nous, d'ailleurs, c'était vraiment compliqué. Après, voilà, on a tout envoyé. Encore une fois, ça a payé. C'est bien, parce que c'est le travail qu'on fait depuis le début de l'année qui paye. Et voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et là, je pense qu'on n'a pas été ridicule contre cette équipe. L'objectif, c'est d'aller plus loin dans la cup. Écoute, après, là, on passe en cup, déjà, c'est génial. Nous, c'était un peu l'objectif aussi du tournoi. Après, voilà, je sais même pas encore contre qui on va jouer. L'objectif, ça va être d'aller le plus loin possible, de s'envoyer, de tout donner. Et on fera les comptes après, voilà. On fait une grosse saison. Maintenant, on veut juste profiter un peu avec tout le monde et voilà. C'est pas de la plus belle des manières, mais au moins on est passé. Généralement, ça tournait pas en notre faveur. Le goal à virage n'était pas pour nous, généralement, mais on voit qu'on a réussi à bosser notre niveau au fur et à mesure des saisons. Et voilà, pour une fois, ça nous sourit, donc on va pas se plaindre. Et je crois que c'est la première fois que ça nous arrive, avec deux défaites et une victoire. Donc pour une fois que ça nous sourit, on va s'en servir. On a fait de drôles de matchs. Le premier match où on n'a pas eu trop le ballon, où les Japonais nous ont imposé leur jeu. Un deuxième match où on s'est vraiment réveillé, on a montré un beau caractère avec de beaux essais, des bons duels, de l'agressivité. Et un dernier match contre les All Blacks qui aussi avaient besoin de gagner pour être sûr d'être qualifié. Donc ce qui fait que ça a été un match âpre. On n'a pas battu les Fidji encore, mais voilà, on attend que ça. On sait que c'est par des matchs comme ça qu'il faut passer pour mériter de gagner un tournoi, pour mériter d'avancer, pour mériter d'aller en finale. Donc ça va être très très dur, on ne va pas se le cacher, on le sait, contre les Fidji c'est toujours très dur, mais on va essayer d'imposer notre rythme. Je pense qu'à Hong Kong, à la finale, les mecs ont réussi à imposer leur rythme, même s'ils perdent le match, ça se joue sur les détails. À Londres, on a tenu quasi tout le match, à la fin on prend deux essais, mais on a réussi à imposer notre jeu, donc on va tout faire demain avec le public derrière nous pour gagner ce match. Ça va être compliqué, sûr, on les a jamais battus cette saison, donc franchement demain on n'a rien à perdre, donc pas de pression demain et on joue tout à fond. 1, 2, 3, France! Bien les gars.